Minute. Written for S. Asaker.
Is there a problem with the connection now? The two links in Zoom are the same, John? Yeah, I'll be with you in a second. Yeah, hold on. I'm almost. Hold on. Yeah, okay. Okay. Oh, okay. Is the guest here? Is the guest here yet? Michel? Il va te permettre d'activer. Non, pas encore. Oui, donc, non, il y a un petit problème de technique, à mon avis. Je pense qu'il a eu deux adresses mail. Non, mais c'est bien. Donc, si tu es ici, on va te... Oui. D'accord. Oh. C'est en français. D'accord. Deux secondes, je pense qu'il est en train de te prendre pour fusionner les deux adresses qu'il a envoyées. Juste quelques minutes. Donc, il est en train de corriger ça. Ben, je ne sais pas combien de liens, il y avait deux liens, ça s'est passé une fois la même chose. On avait la moitié de participants. Oui, d'accord, parce que j'ai raconté.
Oh, hey, it's Richard. Et là, tu m'entends là. Good morning. Good afternoon, hello. Richard. Yes, yes, hello. Good, you There's make Saeed. Saeed's here. Here we are. Ah, thank you. How are you doing? Bonsoir, Richard. Hey, tu m'entends? Oui, très bien, excellent. Voilà. Et je regarde, je peux partager l'écran. On fait un petit test? Oui, donc c'est ça. Voilà, tu vois, tu vois les diaporamas là? Oui, très bien, impeccable. OK. Hi Richard, I'm John Bennett. Do you have any video? You have any videos, Richard? You want to test them? No, it's there's no videos, I think. Okay. But it will run, I'm sure. Since okay. I have to open my Bose PowerPoint here, and okay. Then I'll share my screen when you're ready. Do you see my screen now? Yes. 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 So I will stop. Je vais faire juste une petite introduction. Oui, bien sûr. Oui, oui. Arrêtez le partage. Voilà. Maintenant, vous ne voyez plus mon Pas encore. Pas encore. Il y a toujours. Ouais. Je pense que ça met du temps avant de disparaître. Oui. Là, il a disparu. Non, pas encore. Vous voyez quoi? Zoom. On voit ta présentation, oui. Rachis opéré douloureux et les autres diapositives. Oh. Si. Attends. Voilà, c'est parti. Ouais. OK. Là, on est sur deux. John, what's happened? Like, there are two Zoom? No. Well, no, one Zoom is a backup for the other one. It's a long, you get two links from Zoom. One's a long one, and one is one you make smaller, make more manageable. But some people, one doesn't work. It's the same length. They can come to the same page. Mm-hmm. Okay. 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 It's not start. A mystery. Oh, yeah. Okay. Ready to start, Richard? Yes, yes. Okay. We start. Okay. I think it's the time. Okay, hold on. Let me count down. You ready, Saeed? Yes, sir. We have 1 minute. Okay. Saïd, les gens peuvent poser des questions? Oui, tout à fait, oui. Donc, je dois m'arrêter à 45 minutes ou 30 minutes, combien? Bah, si tu n'es pas pris, si tu es disponible. Je dois être absolument libéré à 20 heures. D'accord, bah, écoute, donc on y va. Pour. Il y a Adrien. John, Adrian. Okay, here he is. Yeah, here he is. Yeah. Here he is. Yeah. Adrian? He's coming in now, I think. Bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir, Adrian. Ça va, tu vas bien? Donc, on va commencer comme Richard et il doit être, il peut pas tarder, rester avec nous comme d'habitude. Je vais faire juste une petite introduction. Okay, ready to start, Saeed? Okay, we start. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good morning from Miami Beach. This is Dr. John Bennett of Neurosurgical TV. This is the French Neurosurgery Grand Rounds. This is the last word you're going to hear in English. The rest of the webcast is going to be in Spanish. And Saeed Taha, a neurosurgeon from the island of Reunion off the coast of Africa, is going to coordinate the activities. Welcome, Saeed. Thanks, John.
Chers amis, merci d'être présents avec nous ce soir à ce webinaire. Ce soir, nous avons l'immense plaisir de recevoir à notre webinaire notre ami Richard Sacker. Je ne vais pas, en guise d'introduction, citer ses travaux, titre des travaux qui sont disponibles et qui parlent d'eux-mêmes. Plutôt, donc, je voudrais parler de l'homme en quelques mots pour aller à l'essentiel. S'il y a un mot pour qualifier Richard, c'est générosité. Tout ce qu'il fait, il le fait avec générosité. Il est toujours disponible à transmettre son savoir. Je suis toujours en admiration devant sa soif et sa quête de nouvelles techniques, de nouvelles voies d'abord pour le bien des malades. Il se nourrit de ses erreurs qu'il ne cache pas et qui lui permettent d'aller plus loin et qui nous permettent également donc, d'éviter ses erreurs. Pour terminer, s'il y a un message à lui transmettre ce soir, c'est le suivant. Richard, ne change pas, reste comme tu es. Bienvenue, Richard. Merci, merci Saïd. Effectivement, je ne compte pas changer. En fait, ce que tu qualifies de générosité, je pense qu'elle est due à notre passion pour notre métier. Je pense qu'on peut qualifier tout le monde. Je suis pas, tu es aussi généreux parce qu'on est tous passionnés par ce métier et qu'on a envie de transmettre. Tu as choisi en plus un sujet qui est très cher à moi et très cher à l'enseignement, qui est de juger un petit peu de la qualité du travail et des ce qu'on appelle en anglais le failed back surgery syndrome, qui est en fait les douleurs persistantes après une chirurgie du rachis, et comment on va s'en sortir, évaluer tout ça et surtout prévenir ce genre d'erreurs et ce genre de résultats un peu suboptimal. Donc moi, ce que j'ai deux lectures là, une qui est très une introduction à la notion de chirurgie de rachis douloureux après chirurgie, et après j'ai partage avec vous une deuxième présentation basée sur des cas cliniques, donc avec des leçons que moi j'ai apprises pendant les 10 dernières années, qui ont eu un impact sur ma façon de voir les choses. Donc, commençons déjà par le failed back surgery syndrome, c'est-à-dire, je partage mon écran, vous le voyez. N'est-ce pas, Saïd ? Tout à fait, oui. Tout à fait, oui. Voilà. Donc, ah non, ce n'est pas celui-là, c'est l'autre. Boum, boum. Et boum, voilà. Donc, on est face à un rachis opéré et toujours douloureux. Comment évaluer les choses ? Comment s'en sortir ? Et la deuxième partie, c'est comment éviter avec la primo-chirurgie, comment éviter d'avoir des rachis avec des résultats, pas avec des rachis opérés, avec des douleurs qui persistent. Alors, premièrement, c'est pas évident de retenir une indication chirurgicale pour un rachis douloureux. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de biais. Et je vais montrer deux exemples qui vont planter le décor. Le premier, c'est celui-là. J'ai failli l'opérer. Regardez, il a une discopathie isolée L4-L5. Il vient en consultation et il a mal. Il a été en rééducation. On voit très bien son rachis. Il y a un changement modique au niveau de son disque. Le disque est discopathie isolée et on était parti pour l'opérer avec une décision collégiale avec les médecins physiques et les rhumatologues. La dernière visite en consultation avant l'opération, il remplit un formulaire et il remplit toutes les...
toutes les limites, toutes les limitations qu'il a à cause de ce dos douloureux. Et entre autres, il doit mettre, il a une case sur sa profession. Et la réponse pour sa profession était, dans la case profession, il a mis lombalgique. C'est autrement dit, j'ai compris que ce patient a une indemnité pas mal, qui permet de vivre avec un arrêt maladie, une maladie professionnelle, etc. Mais il rentre de l'argent, il gagne sa vie en étant malade et lombalgique. Alors, guérir un malade comme ça, c'est quand même challenging. Si je vois si je vous montre ce deuxième dossier, c'est une patiente qui est venue me voir pour un problème cervical, ravie de sa chirurgie lombaire qu'elle a eue quelques années auparavant. Et quand on regarde sa chirurgie lombaire, des tiges cassées, disloquées, rien n'est en place. Je ne lui ai pas dit que l'arthrodèse n'est pas obtenue, que l'objectif du chirurgien qu'il avait opéré à l'époque est loin d'être atteint pour ne pas la déstabiliser psychologiquement. Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi cette patiente qui a tout d'un échec d'une chirurgie n'a pas mal au dos. Donc voilà un petit peu la lombalgie, ça reste un mystère. Si en plus on essaye de prouver avec une haute évidence quelque chose, c'est pas évident non plus pour les douleurs du dos. Et regardez ici, on a essayé d'analyser si le parachute est quelque chose de pertinent, si scientifiquement on peut prouver que le parachute est quelque chose qui peut être utile dans un pilote d'avion avec un crash éventuel. Et si on regarde ça avec les réglementations et les lois qui sont soumis à la médecine, le parachute n'est pas prouvé, il n'y a pas de preuve d'évidence élevée que le parachute sert à quelque chose. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu, donc c'est pas évident, d'une part, de comprendre la lombalgie et de comprendre pourquoi des malades vont bien, d'autres ne vont pas bien, et en même temps, comment prouver avec une haute évidence de preuve que traiter un lombalgique, ça peut servir à quelque chose. Très rapidement, pour tous les neurochirurgiens et les chirurgiens du rachis, il faut savoir, et ça je pense que c'est bien acquis, qu'il y a des douleurs mécaniques, des douleurs nociceptives qui sont bien différentes des douleurs neuropathiques. Et parfois, surtout le malade opéré, on peut avoir des douleurs mixtes, neuropathiques et mécaniques. Et vis-à-vis du malade, vis-à-vis du patient, il faut bien faire la part des choses et ne pas promettre au malade une guérison de ses douleurs neuropathiques s'il faut le réopérer. Il faut aussi savoir que beaucoup de malades sont opérés sur un failed back qui est plutôt neuropathique, et je pense que là on s'expose à des difficultés de prise en charge, parce que par définition une douleur neuropathique n'est pas améliorée par une chirurgie d'arthrodèse, par exemple. J'aime bien cette diapo parce qu'elle résume un petit peu la confusion dans la matière. Cette malade, regardez, d'un côté, elle a une pompe à morphine et de l'autre côté, elle a un stimulateur. On sait que la morphine, c'est pour les douleurs mécaniques, nociceptives, et le stimulateur pour les douleurs neuropathiques. Voilà un chirurgien qui a résolu le problème, multi-opéré, bien sûr. Regardez sa tête de dépressive. Donc, c'est une encyclopédie de l'échec d'une prise en charge, et pas nécessairement parce que la chirurgie n'est pas bien faite, mais c'est un contexte qui, et quand je l'ai vu arriver comme ça, forcément je n'ai pas eu l'intuition d'essayer de faire quelque chose pour la guérir, parce que je vois qu'on est dans une situation un peu impasse. On a tous appris, et surtout les neurochirurgiens, j'espère qu'on a quelques collègues orthopédistes aussi qui nous écoutent, et plus dans la communauté orthopédique, qu'il faut bien faire passer le message qu'il y a des douleurs mécaniques et des douleurs neuropathiques. L'aspect mécanique est traité de façon étiologique, alors que le côté neuropathique, il est traité par des traitements fonctionnels, par de la neuromodulation. On peut avoir les deux, et voilà un exemple d'un patient
qui est suivi de longue date pour une radiculopathie neuropathique traitée par neurostimulation. Et un jour, il accuse des lombalgies en plus. Il vient nous voir en disant « Oui, ma douleur, je la connais, mais là, depuis quelques mois, j'ai en plus d'autres douleurs qui sont rattachées à cette discopathie. » Et voilà son dessin de sa douleur, voilà sa scintigraphie. Et ce malade a bénéficié d'un traitement de cet aspect purement mécanique de sa douleur et il est revenu à son état d'avant. Donc, il ne faut pas se dire c'est soit neuropathique, soit mécanique. On peut avoir parfois les deux. Ça, c'est, vous connaissez le DN4, comment un peu on détecte et on score la douleur neuropathique. Donc là, l'échec, j'aime pas trop le terme de failed back surgery syndrome, ça accuse presque la chirurgie, alors que là, on est face à une douleur rachidienne ou radiculaire persistante après multiples chirurgies. Il y a un échec thérapeutique. Alors, on est face en général, on parle d'échec quand le malade va voir un autre chirurgien. Tant qu'il est suivi par le même chirurgien, l'ego du chirurgien ne va pas dire « Monsieur, écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu » et on est dans une impasse. Donc, le patient est désespéré, le chirurgien avec son ego ne va pas. Donc, on tourne en rond et très souvent, d'ailleurs, le diagnostic de pseudarthrose ou le diagnostic d'un problème quelconque à la chirurgie primitive est posé par le deuxième chirurgien qui prend son deuxième avis. Donc, le contexte est quand même très particulier avec un patient qui est déjà opéré, qui continue à souffrir. Il qualifie ça d'une opération ratée, surtout s'il n'a pas été bien informé de la stratégie et du plan de traitement qui a été défini par le patient. L'exemple type, c'est vous opérez quelqu'un qui a des lombalgies chroniques et une sciatique. Vous l'opérez de sa sciatique sans l'informer que vous n'allez pas impacter sa lombalgie, et il revient vous voir, il dit « je ne suis pas content parce que j'ai encore mal au dos, et votre sciatique, ma sciatique est guérie, mais pour lui, s'il n'est pas informé avant qu'on ne va pas changer ses lombalgies, il va prendre ça pour un échec. » À l'inverse, si vous l'informez parfaitement et qu'il prend sa décision en bonne connaissance de cause que « je ne vais traiter que votre sciatalgie », il vient, le même malade, il vous dit « merci docteur, je suis soulagé de ma sciatique, vous avez répondu à ma demande et ça va très bien. » On avait publié avec Philippe Rigoire, que vous connaissez, qui a une grosse expertise dans la neuromodulation, on avait publié il y a quelques années un petit supplément de neurochirurgie sur comment gérer ces douleurs lombaires post-opératoires. Les étiologies sont à la limite, presque ça date, toutes ces étiologies-là, on va les voir dans les cas cliniques que je vais présenter après. Plus vous êtes face à des discopathies multiples, plus vous êtes face à des chirurgies multiples et à de multiniveaux opérés, et plus on a de chances de se retrouver devant un failed back, des douleurs persistantes. Donc, le résultat est inversement proportionnel au nombre de chirurgies, bien sûr. Moi, personnellement, quand je vois un patient qui vient, et j'en vois pas mal, qui vient en disant « j'ai été opéré 4 fois, 5 fois, 6 fois », je n'ai pas de première intention, le réflexe de dire « est-ce que je peux encore lui rendre service chirurgicalement ?» Bien sûr, je regarde son dossier, mais déjà, mon préjugé, ma façon de regarder ce patient, c'est de dire comment je vais faire pour éviter l'opération, parce qu'on sait qu'un dos multi-ouvert, multi-opéré, aboutit à une douleur iatrogène. Alors, quand on est face à un malade opéré, il faut déjà comprendre le départ et avoir une évaluation du point de départ, pourquoi vous avez été opéré, quelles étaient vos plaintes, quelles étaient vos radiologies et comment s'est déroulée l'opération, et avoir une expertise sur la technicité de cette opération-là. La pire situation, c'est que quand un malade est opéré
alors qu'il ne fallait pas l'opérer et que la chirurgie primitive se passe mal et vous êtes en face à une douleur iatrogène, c'est-à-dire le malade a mal parce qu'on a créé une nouvelle maladie due à une opération qui n'était pas nécessairement justifiée au départ et on part dans une cascade de chirurgie sur chirurgie sur chirurgie. Quand il y a une récidive de ces douleurs, déjà, si le malade, qu'est-ce qu'une récidive? Est-ce qu'elle a été immédiate, persistante? Est-ce qu'elle a été à moyen terme ou à long terme? Tout ça, ça a du sens pour l'étiologie de ces douleurs persistantes. Et on va discuter ça au décours de notre case-based discussion. Les douleurs persistent si elles sont immédiates post-opératoires. En général, c'est soit la source de douleur n'est pas là où le chirurgien pensait l'avoir ou qu'il y a une erreur d'étage ou que la décompression est incomplète. Si le malade opéré un mois après, il est toujours pareil, il faut se poser cette question. Si la récidive est à moyen terme, on peut avoir soit des discopathies adjacentes dues à une arthrodèse, par exemple, avec un dos plat, ou une arthrodèse s'arrêtant au niveau d'un disque dégénéré, ou à une pseudarthrose, ou faillite du matériel. Si elle est à long terme, c'est plutôt la chirurgie avec des montages longs où on a un trouble de l'alignement jonctionnel. Cet exemple-là, par exemple, cette malade a été opérée 4 fois et je la vois à 6 ans après toutes ces opérations-là. Et vous voyez bien la cause de ça. La cause est un dos plat. C'est une fixation lombosacrée en syphose avec une discopathie jonctionnelle évidente, un tassement de la vertèbre, et tout ça est bien, bien clair et bien compréhensible. Là aussi, on a une pseudarthrose évidente. Vous voyez les chambres de lyse autour des implants et on voit très bien qu'il n'y a aucune greffe, aucune fusion osseuse obtenue. Et là, à l'IRMN, on voit qu'à cause de cette arthrodèse syphosante, on a un syndrome jonctionnel au-dessus, sous la forme d'un rétrécissement canalaire. Et tout ça pour dire qu'il faut faire tout ce que vous avez en votre possession, les radiographies en position debout, le full spine, il faut faire aussi l'IRM et le scanner. Il faut qu'on travaille avec, aujourd'hui, il y a les cliniques de la douleur et les chirurgiens, et en général, on n'est pas très connectés. Chez nous, on travaille beaucoup ensemble, il faut que le chirurgien ait une culture de douleur chronique et que les algologues aient une culture aussi d'interpréter les radios, identifier les sources de la douleur et savoir critiquer les images. Donc, je vais passer maintenant au deuxième. Donc, on a parlé de ce que c'est qu'un dos douloureux, et ça, c'est presque la culture de nos collègues algologues. Là, je vais prendre la perspective du chirurgien qui est face à ces malades-là, et je vais vous montrer un petit peu ce que moi j'ai appris. Comment faire une arthrodèse, même à monosegmentaire ou à deux niveaux, et pourquoi elle peut échouer. Je veux commencer par vous dire que on est surtout pour mes collègues neurochirurgiens, je suis neurochirurgien moi-même, mais pour les neurochirurgiens, pendant longtemps, on pensait que tout ce qui est déformation de la colonne, je parle de scoliose, même dégénérative, n'est pas pour le chirurgien, généraliste, le neurochirurgien qui fait des montages courts. Il pense que la déformation, c'est pour les scoliologues. C'est une erreur, parce que les chirurgiens qui font des montages courts sont capables de créer des scolioses. On va voir ça. Donc, j'aime bien cette phrase qui a été dite par un de mes collègues américains qui dit « On est tous des chirurgiens de la déformation, soit on les traite, soit on les crée, on les génère, soit on les néglige, mais on est tous
on tourne tous autour de la chirurgie de la déformation. Donc, vous savez que la déformation, on va s'intéresser à ce qui est fréquent. La chirurgie aujourd'hui, c'est surtout la chirurgie dégénérative de l'adulte. Je ne vais pas parler d'idiopathique, je ne vais pas parler de la post-traumatique. Et je veux insister beaucoup sur la déformation iatrogène, donc celle qu'on crée, nous. Donc, la chirurgie, la déformation dégénérative, vous savez pourquoi, on a des discopathies, des arthropathies, et tout évolue de façon asymétrique, et ça génère une déformation dans le plan coronal et sagittal. Typiquement ici, la patiente a 33 ans, la voilà à 50, et la voilà à 55, et une fois qu'on a commencé à se déformer comme ça, ça va crescendo, et on aboutit à un tableau avec une qualité de vie médiocre, avec des radiculopathies qui apparaissent, etc. etc. Et dans ces cas-là, il faut penser aussi à toute la région lombaire et pas à un segment. Excuse-moi, Richard, on ne voit pas tes slides. Ah bon? Oui. Oula, mais il fallait... C'est immobile, donc ça ne défile pas. Attends. Hop, j'efface le premier. Et là? Oui, c'est très bien. Vous voyez aging spine? Yes, oui. Sir. Bon, je vais pas reculer. De continue. Oui. Alors, je donne un exemple. Les patients qui sont âgés, qu'on voit pour canon lombaire étroit, ils ont un profil de rachis qui est celui que vous voyez à droite, qui est un rachis qui est déjà hypolordosé parce que naturellement, ils perdent leur hauteur discale, ils perdent leur dose lombaire et se terminent toujours par ce profil-là. Et on voit beaucoup de ces patients-là pour canon lombaire étroit. Ils ont en plus une ostéoporose ou une ostéopénie. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que j'ai fait, moi, pendant des années, quand j'étais jeune neurochirurgien? Je faisais des laminectomies la plus généreuse possible. Et de temps en temps, on fusionnait des patients. Mais on n'avait pas de notion du mode d'emploi de cette arthrodèse. Et la laminectomie créait pas mal de dégâts parce que en fait ces patients-là ils sont dans un équilibre très fragile, ils sont déjà en train de shifter leur tronc en avant et quand on vient faire une laminectomie ouverte on va les déstabiliser. Je vous montrerai des exemples. Ça c'est le modèle typique d'un vieillissement rachidien. On est jeune, on a un alignement correct, on commence à avoir une hypolordose lombaire et on voit apparaître les mécanismes de compensation et on se termine par une bascule antérieure du tronc. Et le but de mon topo ici, c'est de ne pas déstabiliser ces gens-là. Donc, il faut éviter d'aggraver leur bascule antérieure du tronc. Jean Dubosset avait parlé d'un compte d'économie. Donc, économie veut dire économie musculaire, c'est-à-dire les patients sont en station debout pas douloureuse. Pourquoi? Parce qu'ils sont en équilibre économe. Et quand on les sort de là par des gestes de chirurgie excessifs, ben on se retrouve devant une situation chronique et douloureuse et difficile à traiter. Je vous montre ça, mais je vais aller vite pour ne pas vous ennuyer avec ça. Ça, c'est l'évaluation radiologique. Et voilà. Donc, quels sont les pièges à éviter pour ne pas être iatrogénique, pour ne pas créer des maladies? Le premier, et c'est très, très fréquent, 60 à 70% de mon travail, c'est les patients de gauche, là. Donc, le numéro un, c'est l'instrumentation dite hypolordosante ou syphosante. Quand on fait ça, ça ne pardonne pas. Quand on fait ça, ça se termine toujours par des douleurs persistantes, par des pseudarthroses, par des fractures de matériel ou par des discopathies adjacentes. Pour savoir ce qu'il faut faire, il faut comprendre déjà l'alignement et la déformation au sens large du terme. On en reviendra. Le deuxième facteur iatrogène, c'est l'instabilité post-laminectomie, c'est-à-dire c'est les patients qui...
je vois pas l'entièreté de mon... C'est les patients qui ont des laminectomies généreuses, comme vous voyez là, avec une bascule antérieure du tronc. Et les troisièmes, c'est quand on opère, et on opère beaucoup de traumas, c'est quand on opère des traumas et qu'on crée des syphoses, même s'ils sont neurologiquement bien, des syphoses de la charnière thoraco-lombaire. Chez des patients qui ne peuvent pas tolérer cette syphose-là, on crée aussi des douleurs, des patients qui sont douloureux et qui gardent leur douleur. Alors, en préambule, je vais vous montrer ce que moi j'ai appris et que j'ai appris et qui a fait changer ma façon de voir les choses. C'est la première, c'est les paramètres pelvirachidiens et l'alignement. Et ça, je vous encourage à vous cultiver là-dessus. La jeune génération, les orthopédistes sont un peu plus sensibles à ça. Mais encore une fois, les neurochirurgiens vont dire « Ah ben moi, je ne ferai pas de scoliose, donc ça ne m'intéresse pas, donc ça, je ne vais pas insister là-dessus. » Mais même pour un spondylo L4-L5, si vous ne connaissez pas les lois de l'alignement, vous pouvez créer des problèmes. Donc, c'est ce fameux EOS, ce télérachis debout qui va nous renseigner sur plein de choses et on reviendra. Donc, les paramètres pelvirachidiens, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous les connaissez, l'incidence pelvienne qui est constante, l'incidence pelvienne est constante, la version pelvienne et la pente sacrée sont deux variables. L'addition de la version pelvienne et de la pente sacrée égale à l'incidence pelvienne. Et quand le malade commence à avoir un changement dans son dos, il va jouer pour sa compensation sur sa version pelvienne. Et c'est là où il faut être sensible et comprendre l'alignement du patient pour pouvoir le traiter. Très important, c'est cette harmonie spino-pelvienne. Et une des lois très importantes, c'est la distribution de la lordose en lombaire. Et c'est le rachis. Je vais insister sur le rachis lombaire pour ne pas vous saouler avec tout ce qui est thoraco-lombaire. Mais le rachis lombaire, si vous faites une arthrodèse L3-S1 et que votre distribution de lordose n'est pas idéale, eh ben vous allez avoir un résultat pas optimal et vous allez même créer d'autres maladies, dont la discopathie adjacente. Il faut savoir que 70% de la lordose est distribuée entre L4 et S1 et il faut, il faut le connaître et savoir l'appliquer. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si vous avez 70% de la lordose lombaire entre L4 et S1, et si vous avez la lordose lombaire, elle est corrélée à l'incidence pelvienne, on est d'accord. Si l'incidence pelvienne est de 90 degrés, par exemple, et que vous êtes face à un malade qui a une incidence pelvienne de 90 degrés, et que vous devez lui mettre 70% de la lordose entre L4 et S1, ça veut dire qu'il lui faut 60 degrés pratiquement de lordose entre L4 et S1. Vous lui faites un TLIF. Le TLIF, dans les meilleures des mains, vous donne 7 à 10 degrés de lordose segmentaire. Et si le patient est syphosé avant que vous lui rajoutez 10 degrés, ça peut ne pas être suffisant pour quelqu'un qui a une incidence pelvienne à 90 degrés et vous allez avoir un échec de résultat. Si le patient a une incidence pelvienne normale, style 50 degrés, le TLIF peut suffire. Donc, on peut être amené à discuter quelle est la meilleure méthode, quelle est la meilleure chirurgie pour obtenir un alignement harmonieux correspondant au profil de mon patient. Il y a plein d'outils aujourd'hui pour nous permettre d'analyser la distribution de ces malades. Et ce n'est pas seulement dédié à des scolioses thoraco-lombaires, ça peut être aussi dédié à un spondylo dégénératif L4-L5. Si je regarde ces deux patients, celui de gauche a une incidence pelvienne normale, celui de droite, il a une large incidence pelvienne. Je rappelle que l'incidence pelvienne est corrélée à la lordose lombaire. Donc, dans le malade de droite, sa lordose lombaire est beaucoup plus importante que la lordose lombaire du patient de gauche. Donc, quand je vais opérer mon malade de droite,
il faut être très vigilant sur l'importance de la lordose et la distribution de la lordose. Et c'est là où je vois ces patients-là, les malades de droite, revenir avec des échecs. On verra quelques exemples. Là, on a une syphostoraco lombaire post-traumatique qui est très mal tolérée par le patient. Il l'a depuis 7-8 ans. Pourquoi elle est mal tolérée? Parce que ce patient, il a une petite incidence pelvienne et qu'avec une petite incidence pelvienne, on sait qu'ils ne peuvent pas compenser par une hyperlordose lombaire. Donc, les mécanismes de compensation lui font mal, en fait. Il compense par une hyperlordose lombaire sur une syphostoraco-lombaire pour garder la tête bien au-dessus des pieds et il génère des douleurs, d'une fatigue lombaire qui arrive à ça. La deuxième leçon que j'ai appris et qui a impacté mon travail, c'est l'impact négatif sur la syphose. Si vous regardez les ingénieurs, si vous switchez le poids du corps de 10 mm vers l'avant, ça veut dire un malade âgé qui commence à tasser et shifter son tronc en avant, un shift de 10 mm de son centre de gravité implique une augmentation de 60% du travail des muscles postérieurs pour le garder droit. Autrement dit, si je n'ai pas de muscles derrière, je vais commencer à avoir mal parce que mon tronc shift en avant. Donc, et si vous, iatrogéniquement parlant, si vous venez lui donner de la syphose, c'est encore plus grave. Commençons par discuter des dossiers. Un malade à moi qui est... il est vierge, donc ça c'est déjà un exploit. C'est au CHU, dans les hôpitaux, les gros hôpitaux en France académique un petit peu, on a de moins en moins des patients, j'allais dire faciles. Donc j'étais content de l'avoir de première intention. C'est une patiente, elle a très mal au dos et elle a une petite claudication neurogène, mais elle est surtout très douloureuse dans le dos, avec une fatigue à la marche, avec une qualité de vie, et puis quand elle marche, quand elle dit « quand je marche une demi-heure, mon tronc se penche en avant, et je marche penché en avant, avec aussi une raideur matinale, etc. etc. » Elle a fait sa rééducation, elle a fait des infiltrations test, et on arrive à l'opérer. Comment je regarde cette patiente ? Si je l'opère, et il y a beaucoup de chirurgiens qui vont l'opérer sur l'IRM, ils vont dire « Ah, ben, elle a une discopathie, L4-L5, je vais lui faire un téléphone L4-L5 ». Ceux qui sont un peu plus sophistiqués, ils vont dire « Ah, ben, elle a une dégénérescence en plus du disque L3-L4, donc je vais faire L3-L5 ». Et ceux qui sont encore en plus regardants sur « Ah, mais son disque L5-S1 n'est pas bon, je vais faire une arthrodèse L3-S1 ». Ce n'est pas une erreur. Mais ils ne vont pas aller plus loin dans leur raisonnement, et c'est là l'erreur. Cette patiente-là, voilà ce qu'on fait au début, on fait une analyse globale de son rachis. Regardez-la bien sur l'éos. Qu'est-ce qu'on voit? On voit bien sûr qu'elle a une syphose lombaire, et on le voyait bien sur l'IRM déjà couché sur le dos, mais debout c'est encore plus flagrant. Mais qu'est-ce qu'on voit de plus? On voit d'une part qu'elle a une petite hyposyphose thoracique, ça veut dire qu'elle lutte pour rester droite au niveau thoracique. Elle a une franche rétroversion pelvienne, ça veut dire son pelvis rétroverse pour garder sa tête aussi au-dessus des épaules, et elle fléchit les jambes. Donc, elle a plein de d'images de compensation de cette syphose. Donc, ça me conforte dans l'idée que cette syphose lombaire génère une fatigue à la marche, etc. Donc, voilà un petit peu déjà. Et si je vais l'opérer maintenant, je vais commencer par analyser ces paramètres pelvirachidiens. On n'a pas le temps de le faire maintenant, mais je vais les analyser et planifier ma chirurgie en fonction de ça. Elle a une incidence pelvienne qui n'est pas élevée, donc je n'ai pas besoin de beaucoup de lordose lombaire, mais j'ai besoin d'une lordose d'au moins 50 degrés. Ça, c'est son scanner et ça, c'est ses 3D. Bon. Et voilà mon opération. Donc, regardez son profil avant, regardez son dos en haut, regardez son sacrum en bas, ici, et regardez ses jambes. La voilà après. Ses jambes sont droites, son sacrum s'est antéversé, et son rachis thoracique a repris une syphose normale, et même son rachis cervical, il est passé d'une hyperlordose de compensation à une
Ça, c'est, je l'ai planifié. J'ai fait un TILIF à un niveau, j'ai fait des ostéotomies articulaires postérieures, les Smith-Peterson ostéotomies à tous les niveaux, et j'ai planifié ma distribution de lordose de ce truc-là et regardé comment le profil de ce patient il a changé. Donc, ce n'est pas de la fiction, c'est quelque chose qui est palpable et réel. Je vais vous montrer des contre-exemples maintenant. Cette patiente, elle est opérée 6 fois, et elle arrive en décompensation. On voit bien que la balance globale est positive. On voit bien qu'elle fléchit les jambes, qu'elle rétroverse son bassin et qu'elle a des fractures de vis et qu'elle a une fracture de la vertèbre au-dessus. Comment traiter ça? Donc, elle était comme ça et on a dû faire une ostéotomie de L3 ici, de L4, pour la rebalancer. Donc, regardez comment elle était avant et regardez comment elle est derrière. Donc, ça, c'est cher payé quand même, cette chirurgie primitive qui est là, qui a créé premièrement une cascade de chirurgie et deuxièmement une chirurgie de réparation qui n'est pas... C'est quand même lourd pour le patient de lui faire une ostéotomie et d'étendre ces trucs, regarder la fixation sacrée. Mais on voit très bien, regardez son sacrum qui est passé d'une rétroversion à une antéversion. Donc, c'est efficace. Mais si on peut éviter ça, donc voilà comment on a lu cette radio pour arriver à faire ça. Un autre exemple qui est très, très parlant, et je crois que je vais m'arrêter après cet exemple-là, et je peux vous montrer des exemples à gogo. C'est un patient qui est un artiste de 72 ans, très d'un niveau social assez élevé, très actif. Il voyage beaucoup, etc. Et il consulte en 2017, je crois, pour un petit mal de dos. On lui dit, voilà, il n'y a rien de spécifique, prenez vos médicaments, faites un peu de massage, etc. Il a tenu jusque 2021, et en 2021, il reconsulte pour ça, et plus un canal lombaire étroit qui commence à être parlant, et on l'opère. Le chirurgien l'a opéré sur ces images-là. Erreur. Pourquoi erreur? Parce qu'il a décidé d'arthrodéser ce patient. Je ne sais pas si je l'aurais arthrodésé, moi. J'aurais peut-être vu quelle est la part mécanique du dos par rapport à ses jambes et j'aurais peut-être fait une laminectomie mini-invasive. Mais il a fait une laminectomie généreuse, une belle laminectomie pour le libérer. Il s'est dit, comme il a des discopathies, je vais fixer L3, L4 et L5. C'est ce qu'il a fait. 6 mois après, le voilà. Et en plus, il est parkinsonien. Parkinsonien léger, mais il est parkinsonien. Un Parkinson, c'est la caricature des erreurs d'appréciation ou des erreurs de chirurgie adéquate ou pas. Qu'est-ce qu'il fait ce malade? Il a disloqué, parce que son ostéosynthèse, vous l'avez vu, elle est plate. Elle ne correspond pas à son profil. D'ailleurs, il a été opéré sur ces images. Je ne sais pas quel profil a ce malade-là. Et quand il est arrivé chez nous, il était comme ça, misérable. Le voilà. Qualité de vie, je vous fais, rentre pas dans les détails. Il était prêt à finir avec sa vie tellement il était en difficulté. Voilà sa radio. La première radio, il l'a là, donc il est penché en avant, il est en décompensation complète, et je rappelle que l'EOS et que le Parkinson est un malade très fragile, et attention quand vous faites une ostéosynthèse dans un Parkinson. Je l'ai opéré il y a 8 mois, 9 mois. Voilà son scan et son IRM avec l'EOS, et je l'ai mis sur le dos pour voir si c'est réductible. C'est réductible et voilà ce que j'ai fait. C'est lourd, vous imaginez. On a fait on appelle ça une VCR, une résection complète du corps vertébral pour émettre un spacer, une cage là, pas pour la fusion, mais pour le réduire dessus. Et j'étais content. Mais comme il est parkinsonien, on sait qu'il y a un mythe, enfin, il y a une
une règle qui est admise par tous les chirurgiens de la scoliose qui disent que tout Parkinson, dès que vous décidez de l'ostéosynthéser, il faut faire T2, S2. Et je suis neurochirurgien, je ne suis peut-être pas un scoliologue dans l'âme, je me suis dit, je vais arrêter en T10. Pour ce que ça me faisait, je trouvais que c'était cher payé chez ce patient et j'étais content du résultat. Il m'a envoyé sa photo le lendemain et le surlendemain de l'opération, content, debout. Et voilà ce qui lui arrive avant de sortir de l'hôpital. On était à J6. Il tasse T10. Donc, on passe de ça à ça. Encore à l'hôpital. Donc, et j'ai laissé passer quelques semaines. Il était très, très peiné. Et j'ai dû monter jusqu'à T2, T3 pour ça. Et on est passé de ça à ça. Je ne dis pas que je l'aurais vu un Parkinson au départ, je n'aurais peut-être pas le synthésé et surtout, je n'aurais pas synthésé de façon hypolordosante comme ça. Il a tout arraché, il a tout cassé, il ne s'est pas infecté et il a généré tout ce qu'il faut pour que je l'opère là. Donc, je ne suis pas ravi de faire ça, mais c'était indispensable. Le voilà à 8 mois post-op, là, on voit bien son faciès de Parkinson, mais il est là aujourd'hui, malgré tout ce qu'il a subi, il est ravi du résultat. Saïd, je m'arrête là ou je montre un dernier? Celui-là, il vaut la peine, il est rapide. Femme de 46 ans, opérée par un chirurgien de son rachis cervical, d'une hernie discale cervicale, elle est très contente, le chirurgien est très content, elle vient le voir pour lombalgie. C'est une femme bien, bien faite, mignonne, 46 ans, sportive, etc. Elle a cette double discopathie et il lui fait ça. Je ne sais pas, j'ai abandonné le raisonnement pour savoir pourquoi. Il lui enlève les deux disques et il lui met tout fier une chirurgie mini-invasive percutanée. Regardez comme c'est une encyclopédie du non-sens. Fallait-il la stabiliser? La réponse non. Fallait-il la stabiliser comme ça? Sûrement pas. Et c'est lui, là, à l'origine de cette bascule antérieure de son tronc parce qu'il a synthésé cette malade de façon syphosante. Il me l'adresse gentiment en disant « je ne peux plus rien faire, elle n'est pas bien, elle est penchée en avant » et la voilà un petit peu en détail. Et en plus, il consolide cette syphose par la cage. Ça veut dire que non seulement c'est hyposyphosant, mais en plus fusionné. Je l'opère et je fais l'erreur d'être aussi pas assez agressif d'emblée, donc je l'opère. Elle était contente là, mais on voit très bien que ce n'est pas optimal. Elle est toujours un petit peu basculée en avant. Je l'opère et je fais des ostéotomies de grade 2, donc des Smith-Peterson derrière, et j'essaye de cintrer mes tiges, de me remettre dans… Donc, on passe de ça à ça, et voilà, j'étais relativement content, sachant que je n'étais pas très, très content parce que on voit bien que l'alignement n'est pas vraiment optimal. Elle a encore ses jambes pliées. Et plusieurs années après, elle revient avec une bascule qui se majore, un handicap qui se majore. Et là, je l'ai opéré récemment en faisant l'ostéotomie de L4 ici, juste en dessous de la cage de fusion. Et là, elle est contente. Donc, voilà l'ostéotomie de L4. Donc, on est passé de ce que vous voyez à gauche à ça, à droite. Tout ça, c'est typiquement ce qu'un chirurgien du rachis ne doit pas faire s'il a compris les lois de l'alignement, les lois de l'arthrodèse. Il y a un mode d'emploi à l'arthrodèse. C'est fini l'arthrodèse. Comme moi, j'ai appris, une arthrodèse, c'est bien mettre ses vis et ne pas sortir des pédicules et bien greffer et bien savoir mettre des cages. C'est fini cette époque-là. Aujourd'hui, l'arthrodèse, c'est un minimum savoir mettre ses vis, c'est un minimum savoir comment il faut greffer, mais surtout donner au malade le profil d'alignement qui est spécifique à lui et surtout la distribution de lordose en lombaire. Voilà, je m'arrête là. Et je suis prêt à répondre à vos questions. J'espère ne pas être
trop ferraille ou trop, mais c'est important quand même. Ma plus belle opération aujourd'hui, c'est la laminectomie mini-invasive qui me permet de décomprimer des sujets âgés sans aller jusqu'à la fusion parce que je ne déstabilise pas ces patients-là et c'est la chirurgie la plus gratifiante. C'est ma plus belle chirurgie, c'est d'essayer tout pour éviter d'arthrodéser les gens. Ceux que j'arthrodèse beaucoup, c'est ceux qui ont déjà été arthrodésés avant. Voilà, Saïd, merci et merci. Je vous écoute. Oui, merci Richard pour cette présentation. Donc, c'est ce panorama un peu de patients qui sont différents, mais qui ont donc tous le même problème, c'est mal alignement, mal prise en charge. Effectivement, comme nous tous, on a envie d'être... on dit en premier ne pas nuire, donc on part sur toujours faire petit, le minimum pour ne pas déstabiliser, mais donc en fait en réalité avec l'évolution on sent que on comprend que qu'actuellement quand on va faire donc de mini de faire donc des choses à minima, on déstabilise les choses. Et il faut avoir une vue d'ensemble donc du rachis, donc ne pas se focaliser sur un niveau, sur un segment, etc. Il faut une vue d'ensemble, donc de comme tu l'as montré, pour essayer de comprendre ces patients. Donc, voilà, je n'ai pas de questions particulières, mais je ne sais pas si… ah oui, donc Guillaume. Oui, bonjour monsieur, merci pour votre présentation. Moi, je suis un jeune neurochirurgien à Paris, à la Riboisière, et je suis. Ma question, c'est toujours à quel point la laminectomie peut engendrer une déstabilisation. Moi, j'ai le cas d'une patiente qui a un éclipse sagittal qui est conservé, qui a un spondylo qui n'est pas instable, qui ne bouge pas sur la dynamique, et justement, je suis amené à faire une laminectomie. À quel point vous vous dites, quand est-ce que je passe dans une laminectomie élargie et donc déstabilisante, quel est votre critère pour vous dire là, ça nécessitera une ostéosynthèse ou une arthrodèse ajoutée? Merci. Oui. Alors, si tu avais parlé d'un spondylo stable, alors la notion de spondylo, c'est une notion réelle, c'est-à-dire on peut si la hauteur du disque n'est pas préservée, si l'angle facétaire n'est pas en faveur d'une facette sagittalisée, s'il n'y a pas de translation au niveau du spondylo, on peut considérer comme stable et là on peut décomprimer sans ostéosynthèse, si on a pas mal au dos. Mais si on fait une laminectomie, comme je l'ai apprise dans les années 90, ça veut dire enlever tout pour voir les racines partant, on enlève la moitié des massifs articulaires, là, on risque de créer une instabilité parce que malgré le caractère stable de ce spondylo, on peut l'aggraver. Donc, premièrement, je ne sais pas ce que tu appelles laminectomie, il faut bannir complètement la laminectomie, c'est-à-dire enlever les épineuses, les ligaments, les lames et une partie des facettes. Aujourd'hui, la laminectomie la plus agressive, c'est d'aborder le rachis bilatéralement, laisser la lamine médiane intacte et fenestrer des deux côtés. Ça, c'est la plus agressive. La plus élégante et la moins agressive, c'est de ne pas désinsérer du tout le muscle, c'est de rentrer à travers des corridors, soit en endoscopie, soit en chirurgie tubulaire, se mettre en face d'une lame et faire ce qu'on appelle une laminotomie mini-invasive avec décompression bilatérale. C'est-à-dire on passe au-dessus de la dure-mère sous l'épineuse et on fait un recalibrage canalaire bilatéral à travers ce corridor tubulaire d'accès. Et là, il y a des papiers publiés là-dessus qui montrent que le tubulaire, avec un abord unilatéral transmusculaire, il déstabilise de 12% un rachis déjà un peu en syphose, alors qu'une laminotomie, comme une laminectomie classique, 25%. Donc, et ça m'arrive de faire trois niveaux comme ça. Je mets le tube en L3, L4, L4, L5, L2, L3 pour faire des fenêtres en laissant
les muscles insérés sur la colonne en laissant les ligaments intacts, les ligaments interépineux et susépineux intacts. À aucun moment, je fais une laminectomie comme je l'ai décrite, c'est-à-dire enlever les épineuses. Par contre, si j'ai par exemple 4 niveaux, que la sténose est très sévère et que je prédis, enfin que je prévois des complications, je fais un abord unilatéral du muscle, donc je fais des fenestrations à tous les niveaux en laissant la partie crâniale de chaque lame connectée à l'épineuse. Donc, je fais des fenestrations et je libère des deux côtés. Bon, le spondylo-dégénératif pour les jeunes, là, il faut quand même regarder les critères d'instabilité qui sont la hauteur discale, l'angle facétaire, la translation et aussi le degré, enfin, les radiodynamiques. Et quand vous êtes face à un spondylo instable, faire une laminotomie, même mini-invasive, elle est forcément déstabilisante, moins qu'une laminectomie classique. Guillaume, le maître. Guillaume. Bonjour, merci pour la présentation. Guillaume, le maître, tu es sur ta terrasse, là ? Oui, oui. Il est à la réunion. Je suis à la réunion avec Saïd. Oh, j'ai mal au... il fait 6 degrés dehors, ici, je suis dans ouais, un... Ouais, il fait bon. Bon, écoute, Guillaume. Merci pour la présentation. Du coup, je suis encore relativement assez jeune, mais c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir déjà un petit peu passé par, d'être déjà un peu passé par toutes ces étapes où du coup, je commence effectivement à m'intéresser beaucoup plus qu'il y a 4-5 ans, à respecter la lordose, rester du coup dans les 10 degrés de l'incidence pelvienne, etc. J'ai beaucoup de mal en fait à l'heure actuelle à essayer de planifier mes chirurgies pour essayer de comprendre combien je vais pouvoir gagner de lordose avec les différentes techniques. Le TELIF, je le trouve de plus en plus décevant, il gagne très peu de lordose. La Smith-Peterson, j'ai l'impression de même des fois les 10 degrés, c'est pas si évident que ça. Comment vous planifiez, qu'est-ce que vous estimez gagner par un Smith-Peterson, par une OTP, par Alors, première remarque, Guillaume, c'est attention aux jeunes qui regardent l'alignement dans des situations de douleur aiguë. J'ai vu quelques jeunes de ton âge qui me demandent avis jusqu'où ils doivent arthrodéser une malade qui a 30 ans, par exemple. On n'a pas de déformation à 30 ans dégénérative. Donc, si tu t'opères une malade d'une hernie discale, d'accord, elle revient 3 mois après très douloureuse pour une récidive, mais elle est penchée en avant complètement. Et j'ai vu authentiquement des gens qui vont dire « je vais l'arthrodéser parce qu'elle est mal alignée ». Ça, c'est un tronc qui est basculé en avant parce qu'elle a mal. Donc, faire premièrement attention à ça. Deuxièmement, dans les ostéotomies, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, un ponté, ça te donne quelques degrés, 4-5 degrés. C'est-à-dire, tu enlèves l'articulaire inférieur seulement. Un Smith-Peterson, à condition que les disques soient mobiles, bien sûr. Un Smith-Peterson, ça veut dire que tu enlèves l'articulaire supérieur et l'articulaire inférieur, tu fais ce qu'on appelle en France souvent l'interpédiculaire, ça veut dire entre les deux pédicules, il n'y a plus rien. Mais il faut savoir la faire correctement parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas parce que tu as dit « j'ai fait une Smith-Peterson » qu'elle est faite vraiment dans les règles de l'art. C'est ça, c'est un entraînement, ce n'est pas facile de faire une… Il faut voir des gens qui les font et si tu la fais bien, elle ne va pas te donner, un Smith-Peterson te donne entre 7 et 10 degrés. Donc, un TELIF qui est... Et TELIF, c'est moins qu'un Smith-Peterson parce que le TELIF, quand tu le fais par un abord unilatéral pour mettre ta cage, tu fais un Smith-Peterson que d'un côté, pas de l'autre côté. Donc, parfois, tu n'arrives pas à comprimer assez sur ton implant intersomatique pour donner la lordose qu'il faut. Donc... et quand tu as une déformation rigide avec un disque pas mobile, là, tu as 25 degrés par une ostéotomie transpédiculaire. Minimum 25 degrés. On peut aller jusqu'à 30-35 degrés. Donc, alors, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que si j'ai un malade, tu as compris que l'alignement, que l'incidence pelvienne, il faut une lordose lombaire il faut une lordose lombaire égale à l'incidence pelvienne plus ou moins 9 degrés. S'il est jeune, plus de 9. S'il n'est pas jeune, moins 9. Mais
si j'ai un malade qui a 80 degrés d'incidence pelvienne et il vient me voir pour que j'arthrodèse L4, L5, pour n'importe quelle pathologie, ce malade-là, je ne vais pas faire un TLIF. Je vais passer devant pour faire un ALIF ou un OLIF ou un TLIF ou un XLIF, n'importe. Enfin, je vais passer devant pour enlever tout le disque et donner le maximum de mobilité dans ce disque-là, le maximum de lordose. Je mets des cages de 16 degrés, de 14 degrés, de 12 degrés, ça dépend. Et je mets la cage un peu postérieure pour qu'elle ouvre bien mon disque. Donc, dans ces malades-là, moi, le spondylo-dégénératif ou le spondylo-pas-dégénératif qui a une grande incidence pelvienne, je passe devant en premier et je fais du percute derrière. Et si ce n'est pas assez, au lieu de faire le percute derrière, je fais de l'open derrière avec une Smith-Peterson associée et une compression. Tu vois, ça impacte ta stratégie et ton plan de traitement. Par contre, si un malade a 45 degrés d'incidence pelvienne, le TLIF va largement suffire. Je ne vais pas me lancer dans des acrobaties devant-derrière alors qu'un TLIF peut suffire. Voilà. Merci. Nicolaos. Hello everybody. My French are not well. I am able to understand the French language, but I'm not able to speak. I want yes, only to you. Say hello to my great friend Richard Asaker, also great friend of the Greek neurosurgery. I love Greece. he came many times and visited us also in Thessaloniki and in Athens, and we are very happy to see a true master of spine surgery such as Richard is. And I'm very happy and very proud to listen to him and to learn by him and by his teach. Dear Richard, God bless you and hope a very good 2023, and I wish you good health and my best wishes. We wait you in World Spine Line, but You speak to us by Zoom, but okay, our souls are near and our minds are near. Thank you very much for your very nice talk, and hope to see you again, maybe in a Eurospine or another spine course. Thank you, Nicolaos. Send my regards to all my friends. Yes, yes. We love you, and you know that. Adrien Carl. Oui, bonsoir professeur. Merci pour votre présentation. Voilà, vous deviez être libéré à 20h. Je voulais juste poser trois petites questions si vous avez le temps. La première concerne les spondylolisthésis dans justement la prévention et le traitement du versant lombalgique des patients traités pour spondylolisthésis avec arthrodèse. Quelle est votre opinion concernant la réduction du listhésis? Au cours de mon internat, j'ai travaillé avec deux types de patrons. Un premier type de patron qui me disait qu'il faut absolument réduire le listhésis puisque les douleurs proviennent justement du problème de l'alignement vertébral. Et un autre type de patron qui me disait pas du tout, le patient a atteint un équilibre finalement et il ne faut pas perturber cet équilibre et ne pas chercher à réduire le listhésis. Alors, je réponds. Adrien ? Oui. Les spondylolisthésis par lysismique, par définition, ils sont tous dans la catégorie des patients qui ont une large incidence pelvienne. Alors, le lysthésis parle sur deux modes. En général, nous, on les voit quand ils ont une radiculopathie, quand ils commencent à avoir mal dans la jambe, mais ils ont souvent mal au dos. Et si tu regardes bien, en fait, c'est la racine sortante qui fait mal. Pour L5, S1, c'est une radiculopathie L5. Pour L4, L5, ils ont souvent des cruralgies. Mais le plus souvent, c'est des radiculopathies L5 sur un listhésis de L5 sur S1. Pour moi, la translation n'est pas importante, je répète. Si elle est réduite, tant mieux, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de réduire la syphose segmentaire et surtout d'ouvrir les foramen et d'assurer une stabilité antérieure et postérieure. Donc, pour moi, les spondylos, je les aborde toujours par un ALIF en premier. C'est la plus belle manière de corriger, et ça réduit partiellement la translation, mais ça ouvre largement les foramen, et ça réduit la syphose.
et je passe derrière en percutané quand il n'y a plus besoin de décompression derrière. Je contrains ma tige dans les vis de S1 et je ramène encore un peu plus la tige de L5, mais je ne m'acharne pas à la translation. Ce qui est important, c'est pour moi, ce n'est pas la translation, parce qu'ils n'ont pas mal parce qu'il y a une marche d'escalier, ils ont mal parce qu'ils collapsent leur foramen, et ils compriment la racine sortante, et ils ont mal parce qu'ils ont une discopathie qui finit par être douloureuse. Voilà. Ahmed. Merci beaucoup, c'est très clair. Si vous avez juste le temps, une deuxième petite question. Est-ce que vous avez complètement banni le PLIF en termes d'intervention, de choix d'intervention pour les arthrodèses? Ma réponse est rapide. Oui, je l'ai banni. Pas parce qu'il n'est pas bon, je l'ai banni parce que avec le TLIF, on fait le travail du PLIF en passant que d'un côté, en payant qu'une seule cage au lieu de deux. Par contre, le PLIF, je continue à le faire, mais avec une seule cage, quand il y a une discopathie asymétrique. Par exemple, tu as un disque et que je suis en train d'opérer par derrière, que le disque est collapsé de façon asymétrique d'un côté, je mets la cage type PLIF du côté collapsé. D'accord, je remercie beaucoup. Ahmed from Afghanistan. Merci beaucoup, Professor Richard. I'm Dr. Ahmed Fawad Pizad from Afghanistan. And thank you for your presentation. I'm speaking in English. And yes, you know that in Afghanistan, we are using that limited resources. Sometimes we use freehand spine fixation, transcuticular fixation freehand, because we haven't. Me too, Ahmed. Yes, yeah. And we like to know your advice for how to become perfect for doing such surgery. And the other things, sometimes with laminectomy and fixation, the patient is still complaining of pain. And you know, we haven't morphine pump and spinal cord stimulator. And for this, what should we do? Thank you. Yeah. Merci. Ahmed, I think that you, more than others, because you don't have resources, you have to make sure that you understand the rules of fixation, fusion, and alignment. I'm 100% confident to say that it's better not to fuse than fusing a patient inappropriately. You understand what I mean? You can decompress a patient just using a kerosene and a pituitary and whatever, no drills, just pituitary rongeurs, and decompress your patient without fusion. You might benefit more your patient than doing this and placing screws in the proper placement. I mean, there is no issue about screws that are not well placed. But if you fuse your patient in kyphosis, he will come back to you because he's inadequately fused. So my advice to you is make sure that you understand the portfolio of fusion. And still, freehand is not obsolete. When I do a multi-segmental fusion, I always go freehand, and I use navigation for a tricky, like patient who had been already fused, or for very hostile anatomy.
but I'm doing it freehand and I control it because we should all know how to freehand place our screws. So you can be a good surgeon, you can be very helpful for your patient without high-tech technology, okay? But just make sure that you understand what is needed to do a good arthrodesis. Okay, thank you. Merci beaucoup. And I like to say that the neurosurgery in Afghanistan established by French neurosurgeon Professor Chetini and transpedicular fixation introduced by Professor Jacques Guyotte from Lyon. And we're proud to have Dr. Ashraf. Now he is working in Grenoble, and Professor Hakim Munir, he is also working in France. And we're proud of you and them. Thank you. Merci. Good seeing you. Okay. Thank you, Ahmed. Thank you to be with us. Jalil. Donc, on t'entend pas. Jalil, unmute. OK. Jamila. Jamila, elle est de neurochirurgienne en Égypte. Oui, bonsoir, professeur Azakar. Merci pour la présentation. Mais bon, pour moi, c'est un petit peu... Moi, je suis neurochirurgien pédiatre. Mais c'est une très, très belle présentation. Mais bon, moi, je suis responsable d'une unité de pédiatrie dans un très grand hôpital militaire au Caire. Je suis française et ça fait une dizaine d'années que je travaille là-bas. Mais bon, ils font beaucoup, beaucoup de rachis. Mais c'est très, très intéressant ce que vous dites. C'est vrai qu'ils fixent beaucoup, énormément. C'est toujours beaucoup, c'est toujours trop. Oui, c'est toujours trop, exactement. Ils font énormément de laminectomie classique. Et j'ai appris de choses nouvelles avec vous. Et je vous connais, je vous ai vu pas mal de fois dans des conférences, voilà, au Maroc. C'est proportionnel à mes cheveux blancs. Je ne suis pas si jeune que ça, moi non plus, hein, vous savez. Et moi, j'ai été formée par l'équipe de Necker, hein, par les anciens Alain Pierre Kahn, voilà, et tous ceux qui sont venus après. Hein. Ouais. Voilà, et actuellement, je suis à Paris. Donc, j'ai commencé, toute ma petite famille est à Paris. Voilà, et je fais le va-et-vient. Mon mari est à Paris, mes enfants aussi. Voilà, et donc, voilà, et ils sont toujours restés sur la laminectomie classique, et j'ai appris avec vous aujourd'hui que ça déstabilise de 25%, et ça, c'est pas mal. Et ça, je leur transmettrai, ils sont, c'est pas mal, je crois, c'est beaucoup aussi. Hein. Et le rachis douloureux post-opératoire, j'en vois aussi hein, chez eux. Oui. Ouais. Donc, merci finalement... beaucoup. Ah, pardon, excuse-moi, ouais. Continue. Non, finalement, ce n'est pas uniquement typique aux femmes, hein, parce que c'est plutôt les femmes égyptiennes qui sont plaintes. Moi, je pensais que c'était plutôt dû au surpoids, mais bon. Est-ce que c'est dû, est-ce que c'est surajouter le surpoids? Pour la déstabilisation? Non, pour la douleur. Bah, oui, en général, quand on a un surpoids, on a
Probablement pas une qualité musculaire extraordinaire, on s'entretient pas, on fait pas un peu de sport, bon, c'est oui, c'est mais j'ai vu des gens qui sont très gros, qui n'ont pas mal au dos et ils font des sleeves parce qu'ils sont gros, ils ont mal après, donc c'est probablement beaucoup plus compliqué que de dire ben, vous êtes gros seulement, quoi. Mais parce que quand même, la diapo que vous avez montrée de la dame qui était complètement, quand même, le système était complètement défaillant et qui avait surélevé la jambe à 90 degrés, voilà, c'est quand même... Oui, celle-là, en fait, oui, elle croit que bon, c'est le fait d'être opérée, enfin, elle est un peu hystérique, mais elle a été opérée du dos pour elle, opérée, c'est tout, et aucun doute, je vais bien. Donc, je voulais dire que c'est, la lombalgie reste un mystère. Oui. Mmh. Mais le problème en Égypte, c'est que psychologiquement, les patients n'accepteraient jamais d'être opérés 2, 3 fois, 4 fois, comme vous dites, 6 fois. Ça, c'est hors de question. Oui, oui, oui. Dans le monde arabe, je sais très bien. Par exemple, pour une hernie discale, le chirurgien s'acharne à faire une dissectomie la plus large possible, la plus agressive. Exactement. Ça ne récidive pas. Et alors qu'en France, moi, je leur dis, monsieur, vous allez peut-être récidiver, mais je préfère de vous réopérer d'une récidive discale pour une sciatique que de devenir lombalgique chronique. Donc, mais c'est une autre mentalité et je conçois ça. Saïd, je dois partir et j'aimerais bien terminer par un petit conseil aux jeunes. En France, au sens large du terme, les patients sont bien traités et sont traités aussi, j'allais dire, gratuitement. Ça ne coûte pas cher à un malade de subir une opération du rachis. Donc ils considèrent ça comme cheap, comme quelque chose d'acquis. Et de temps en temps, ils regardent le chirurgien comme s'il fait de l'excès de chirurgie. Donc, mon conseil, c'est que, un, il faut faire sentir à votre malade que premièrement, vous êtes en train de tout faire pour ne pas l'opérer, de tout faire pour ne pas surtout l'arthrodéser aussi, que vous êtes en train d'essayer de le guérir par tous les moyens et parfois... et votre réputation, elle est là. Votre réputation pour après, auprès des médecins généralistes, c'est ce chirurgien. Les chirurgiens qui sautent sur le premier malade qui arrive parce qu'il a un disque noir ou parce qu'il a un petit lysthésis, c'est pas bon. Donc, ça, c'est la première. Deuxièmement, une fois que vous avez pris la décision de l'opérer, il ne faut pas séduire votre malade. Il faut l'informer et c'est lui qui doit courir après vous. Si vous devez le convaincre d'être opéré, ce n'est pas bon. Et la troisième, donc c'est lui qui doit courir derrière vous. Et la troisième chose et la plus importante, moi, je dis à la fin, quand tout est bien, bien mûri dans sa tête, je dis, écoutez, en plus, je ne vous garantis pas le résultat fonctionnel. Ce que je vous garantis, c'est la technicité de ma chirurgie. Je pense vous rendre service, mais je ne peux pas vous garantir le résultat fonctionnel parce que c'est quelque chose qui est, dans notre métier, un peu un mystère. Donc, vous pouvez être déçu du résultat fonctionnel. Vous pouvez être amélioré de 20% comme de 80% pour une chirurgie bien faite et la même. Donc, si vous pouvez rester comme ça, vous restez comme ça. Et voilà comment je termine ma préparation à une chirurgie éventuelle. Et là, je lui donne un temps de réflexion, il revient vers moi, je veux être opéré. Et je pense que ces informations et cette façon de préparer les patients, c'est important qu'ils participent, eux, dans leurs décisions. Voilà. Et on parle de... Je ne parle pas d'une métastase, je ne parle pas d'une fracture, je parle de maladies... dégénérative, commune, avec une appréciation qui est très fonctionnelle. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, il faut prendre son temps, donc bien connaître le patient, donc le revoir, l'adresser au centre de rééducation, le revoir après. Donc, quand on les revoit après, c'est d'autres personnes, paradoxalement. Donc, ça change tout. Donc, ils sont beaucoup plus à l'écoute. Parce que quand ils sont douloureux, on les voit en période douloureuse, c'est très, très difficile. Et parfois, c'est très difficile de leur expliquer qu'il faut une prise en charge dans un sens rééducatif pour lutter contre ces contractions, réflexes, etc.
En tout cas, Richard, je ne vais pas te retenir. Merci beaucoup et on t'attend à la réunion. Excuse me. We have a question here. Guillaume has a question, Saïd. Guillaume? Okay, a quick one, Guillaume, because, yes, go ahead. Ok, c'était juste rapidement pour répondre sur la remarque malgrêle de Jamila. C'est vrai qu'on contre-indique beaucoup, enfin on a contre-indiqué beaucoup les obèses par le passé. Quand on regarde les Américains, en fait, ils ont tendance plutôt à contre-indiquer les fumeurs plus que les obèses. Mais ils sont tous obèses. C'est vrai que des fois, quand on voit les IRM où les muscles spinaux sont comparables à du bœuf de Kobe, dans quelle mesure, en fait, si un patient est complètement amyotrophique du dos, est-ce que ça a vraiment un intérêt en fait de l'opérer? Rapide remarque. Oui, tout dépend un petit peu de. Ben, si tu l'informes de ce que tu viens de dire et qu'il dit moi je ne peux pas rester comme ça, je tente l'opération, c'est jouable. Parce que normalement, dans une arthrodèse, une fois que tu l'as arthrodésé, le segment arthrodésé, le muscle n'a plus de rôle là où tu as arthrodésé. Mais ça m'arrive aussi de dire à des patients qui sont complètement mentalement et physiquement négligents, je leur dis, je ne suis pas contre l'arthrodèse, mais je ne vous la ferai pas parce que je pense qu'il ne faut pas la faire. Voilà. Bon, merci, désolé de vous avoir retenu quelques minutes de plus. Alors, j'ai, avec la terrasse et le t-shirt et tout ça. Allez, bonne continuation. Merci beaucoup, Saïd. Merci et bienvenue à la réunion. Si tu as froid là-bas, fais un saut à la réunion. Tu m'invites, j'arrive. Je t'invite de suite. Au revoir. Au revoir. Thank you very much, Dr. Asaka. Merci beaucoup. Merci. Bye, everybody. Thank you. Thank you, everyone, for coming. Bye-bye. Bye-bye. Bye, thank you. Bye-bye. Salam.